Bon, bah bonjour Edith. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite recette toute simple réunionnaise, c'est ça, non? Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, je fais un petit fricassé de blettes. D'accord, les blettes, c'est ce qu'on voit Voilà. en vert là. Hein? Voilà, c'est coupé en petits morceaux. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a à côté? Je vois, il y Alors là, il y a. a des tomates, il y a de Ouais. l'ail que j'ai pilé avec du piment, du gingembre. D'accord. Et Voilà. donc? Et donc, je vais faire revenir l'ail, Oui. le gingembre et le piment. Oui. Et t'as mis quoi? C'est du beurre là, non? Ah non, j'ai mis deux cuillères à soupe d'huile. D'accord. À peu près. Ça dépend de la quantité des blettes qu'on a. D'accord. Voilà, je vais faire revenir. Oui. Ça sent bon déjà. Ah ben oui, avec l'ail, ça ressort l'odeur. Donc là, tu vas nous mettre les tomates. Là, je mets les tomates. On entend bien là, hein? Là, je fais réduire un petit peu les tomates. Oui. Que j'ai coupées en quartier. Hein, un Oui, peu. c'est mieux comme ça, c'est plus facile. Voilà, ça réduit après. Ah, dis donc, ça me prend le nez là. Ah ben oui, il y a du piment. Et puis les gingembre aussi, peut-être, non? Oui. D'accord. Morceau de gingembre. Et ça, tu manges quoi avec ça alors? Ah ben ça, on mange avec du riz et une saucisse frite. D'accord. Ça fait griller une Une saucisse. saucisse pas avec des frites. Non, une saucisse Frites. frite, D'accord. grillée aussi. Voilà, ça sera plus Voilà. facile, oui. On voit qu'on pourrait mettre des frites avec, à la limite, pourquoi pas. Oh non. Mais là, c'est du riz après, donc, et puis des grains souvent comme. Ben là, je fais pas de grain, je fais des blettes, Oui. du riz et puis ben, des saucisses. D'accord. Voilà. Je vais bien revenir. Tomates, je laisse réduire. Et après, donc, tu vas ajouter les blettes, Après, alors. je mets les blettes dedans. Oui. Il faut laisser cuire combien de temps après? Alors, oh, ben, ça cuit tout doucement. Une fois que c'est bien revenu, on baisse le feu, on laisse cuire dans son jus. D'accord. Ok. Voilà. Alors là, je vais mettre. Il y a combien à peu près de blettes, là? Oh là, il doit y avoir un paquet de. Une botte. Une botte de blettes, d'accord. Voilà. Voilà. Alors là, je vais saler. Faut Ouais. pas trop saler parce que les blettes, ça prend du sel. D'accord. Mais un petit peu. Du poivre, non? Non, non, c'est tout. Ah d'accord. Bah oui, on voit qu'il y a du piment déjà, du gingembre, Voilà. ça va déjà être pas mal épicé. Voilà. D'accord. Je vais revenir tout ça. Donc tu peux manger ça avec quoi aussi encore? Un carré, quelque chose comme ça, non? Non, ben on peut faire une petite tarte avec ça quand c'est cuit aussi. Hein. Ah d'accord. On peut. Ah oui, Ça effectivement, ça. relève la tarte. Oui, c'est vrai que ça pourrait être Après. sympathique, oui. Voilà. Alors, moi je vais rincer mon récipient d'ail. Je Oui. mets dedans, voilà. D'accord. Voilà, je couvre et je laisse réduire dans son jus. D'accord. Bon, bah Voilà. écoute, on se retrouve tout à l'heure là pour voir un petit peu ce que ça donne, le résultat final. D'accord, À à tout tout à à l'heure. l'heure.